Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Benoît Dupont, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur du CICC. Alors au nom du CICC et du comité organisateur du 50e, du colloque en l'honneur du 50e anniversaire de l'école de criminologie, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. L'assistance est assez garnie, ce colloque connaît une réussite qui va au-delà de nos attentes, alors il y aura peut-être besoin que les gens qui ont des espaces libres entre eux essayent de les occuper au maximum pour s'assurer que tout le monde puisse avoir une chaise. Comme vous le savez, cette première journée de colloque sera consacrée à notre collègue Jean-Paul Brodeur, qui nous a quittés il y a un an de cela, dans un livre qui était dédié à son vieux complice Dominique Monjardet. Jean-Paul avait écrit que la meilleure façon de célébrer la mémoire d'un chercheur, c'est de la faire résonner en prolongeant ses travaux. Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire cet après-midi et ce qu'on a essayé d'organiser en invitant les 9 intervenants que vous entendrez, qui ont été ses interlocuteurs parmi les plus privilégiés au cours des 40 dernières années sur des thèmes aussi diversifiés que la police, les crimes de masse, le terrorisme, le renseignement. Alors, le premier atelier sera consacré à ce thème de la police qui avait occupé l'essentiel de son temps ces 10 dernières années. Et une de ses principales satisfactions au cours des derniers mois de sa vie, c'était qu'il avait pu terminer le manuscrit du Policing Web et qu'il avait pu l'envoyer à l'éditeur et qu'il avait également eu le temps d'en lire les épreuves et de les corriger avec son souci et sa minutie qu'on lui connaissait. Et donc, dans cet ouvrage-là, il a réussi à nous proposer une théorie unifiée de la police, cette institution complexe et traversée de contradictions qu'il avait étudiées au cours des dernières décennies. Donc ce premier atelier va être consacré à la police. Le deuxième atelier nous rappellera qu'il avait également eu une influence très importante dans la sphère de la criminologie anglophone, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Angleterre ou même en Australie. Et donc, on aura 3 intervenants qui prendront la parole en anglais et qui nous parleront un petit peu de cette influence qu'il a exercée au cours des dernières décennies dans la criminologie anglophone. Et le dernier atelier sera consacré à des aspects peut-être moins connus de ses recherches, mais qui étaient tout aussi importants dans son parcours, dans sa trajectoire. On abordera notamment la question de la philosophie, qui était sa discipline d'origine, avec qui il entretenait des relations parfois ambivalentes. On parlera également des crimes de masse, qui était un sujet pour lequel il pensait que la criminologie n'était pas nécessairement la discipline la mieux équipée pour l'étudier, mais qu'il voulait pousser un petit peu dans ce sens-là. Et on parlera évidemment du terrorisme, qu'il avait étudié dès les événements de la crise d'octobre 1970. Alors évidemment, pour quelqu'un qui a eu une carrière aussi riche et qui était aussi productif, prolifique, un des rares conseils que m'a donné Dominique Monjardet, c'était de surtout ne pas essayer d'atteindre son niveau de productivité à Jean-Paul, parce que c'était être voué à l'échec, c'était se brûler les ailes quand on était jeune et d'essayer de le prendre comme exemple sur la question de la productivité. Évidemment, quelqu'un qui a eu une si riche carrière, on ne peut pas résumer à travers 9 interventions un petit peu cette richesse-là intellectuelle, cet héritage intellectuel. Donc ça va être une présentation un petit peu impressionniste, en pointillé de ce qu'il a pu faire et de ce qu'il a pu nous apporter. Mais néanmoins, ça nous donnera une idée, je pense, assez précise de la richesse de son héritage intellectuel et également de ce qu'il nous a laissé en dépôt en termes conceptuels et qui va pouvoir, je crois, être utilisé à l'avenir par de nombreux autres chercheurs. J'aimerais également mentionner les noms de 4 personnes que nous avions invitées qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui et qui auraient souhaité être là, mais qui néanmoins contribueront un texte à l'ouvrage que nous allons constituer à partir des prises de parole d'aujourd'hui. Par ordre alphabétique, il s'agit de Julian Roberts de l'Université d'Oxford, de Clifford Shearing de l'Université du Cap, de Michel Viviorca de l'École des hautes études en sciences sociales et de Michael Tonry. Je suis conscient que Viviorca vient après Tonry, mais Michael Tonry de l'Université du Minnesota. Alors que vous ayez connu Jean-Paul à travers des projets communs, que vous ayez suivi ses enseignements à l'école de criminologie, que vous ayez lu ses articles scientifiques, ses colonnes dans Le Devoir, que vous l'ayez entendu à la radio ou à la télévision,
Nous vous invitons aujourd'hui à une randonnée à travers la forêt de ces questionnements, de ces idées, de ces intuitions, de ces doutes parfois, afin de continuer à faire résonner sa mémoire. J'aimerais maintenant céder la parole à Nicole Broder qui va dire quelques mots avant qu'on débute la séance. Merci. Je voudrais saluer et remercier de leur présence tous les participants et plus particulièrement les membres de ma famille et de mes proches amis. Je voudrais aussi remercier tous ceux et celles qui ont contribué directement et indirectement à l'organisation de cet événement commémoratif qui rend hommage aux travaux de Jean-Paul. Je suis particulièrement reconnaissante à Benoît Dupont qui m'a fait part de ce projet dès mai 2010 et lui a donné forme. Il a été soutenu dans son organisation par celle que Jean-Paul nommait affectueusement sa petite équipe, Fatou Diouf, Martine Giovanola, Estelle Vandram, qui m'ont été d'un grand secours dans les mois qui ont suivi le décès de Jean-Paul. Ma gratitude va aussi à Nicole Pinsonneau, qui fut l'adjointe de Jean-Paul pendant de très nombreuses années, à Jean Proux, directeur de l'école de criminologie, à Diane Casoni, directrice de la revue Criminologie, à Manon Vacheret, organisatrice de ce colloque. Les conférenciers qui interviendront cet après-midi ont été associés de très près, pour chacun d'entre eux, au cheminement professionnel de Jean-Paul. Ils sont partis d'un large réseau de collègues avec lesquels il entretenait des liens et qui sont devenus ses amis au fil des ans. Chacun d'entre eux représente des moments importants de son parcours, qu'il s'agisse de son passage de la philosophie à la criminologie, de l'évolution de ses champs d'intérêt en criminologie et du rayonnement de ses travaux au Québec et à l'étranger. Parmi ses conférenciers, on retrouve des collègues de sa génération et de celles que Jean-Paul appelait affectueusement les jeunes, pour lesquels il se reconnaissait des obligations d'aîné et dont il a voulu encourager l'envol. All the speakers taking part in this event this afternoon were very closely linked to Jean-Paul's career. They are part of a large network of colleagues whom he stayed in touch with and who became his friends over the years. Each one of them reflects important moments in his career, whether they involved his transition from philosophy to criminology, developing his areas of interest in criminology, or the influence of his work both in Canada and abroad. Among these speakers, we find colleagues of his generation, as well as those whom Jean-Paul called the young people, towards whom he acknowledged having the obligations of an elder colleague and whose advancement he wished to encourage. Nous célébrons aujourd'hui l'héritage intellectuel de Jean-Paul. Je voudrais rappeler à ce titre combien Jean-Paul s'est investi au quotidien auprès de ses étudiants. L'héritage intellectuel d'un professeur, ce sont bien sûr les fruits de ses travaux de recherche et de réflexion, mais aussi celui de l'ensemble des savoirs qu'il a transmis à ses étudiants. Jean-Paul était soucieux de leur apprendre à raisonner et à travailler, et je cite, « avec passion, humilité et un sens aigu de la pédagogie », m'écrivait une de ses étudiantes peu de temps après son décès. J'ai toujours été marquée par le soin qu'il mettait à préparer ses cours et ses séminaires, la plupart du temps à la maison, même après tant d'années d'enseignement. Rien ne le rendait plus heureux qu'un séminaire, comme il disait, qui avait bien marché, parce que Jean-Paul avait été impressionné ou interpellé par une présentation ou un échange de points de vue entre étudiants. Je veux également souligner son souci d'aider ceux et celles qui avaient travaillé avec lui à la maîtrise et au doctorat à s'installer professionnellement. In preparing these few words, I asked myself what Jean-Paul would be thinking to see us gathered together here to pay tribute to his legacy. At first, he would probably be a little skeptical and have reservations, as you imagine. Then he would have the satisfaction of someone who feels that he did justice to the talent that life gave him and followed his dream and had followed his dreams with the passion and integrity that he was known for. When Jean-Paul left us, he was content and peaceful. So as we remember him this afternoon, I would like us to be filled with the same spirit. Je me demandais, en préparant ces quelques mots, ce que Jean-Paul penserait de nous voir réunis pour rendre hommage à son héritage. Au départ, sans doute un peu de scepticisme associé à de la réserve. Puis le contentement de celui qui a le sentiment d'avoir été à la hauteur des talents que lui avait donné la vie,
et d'avoir poursuivi ses rêves avec la passion et l'intégrité qu'on lui a connues. Jean-Paul nous a quittés heureux et sereins. J'aimerais que ce même esprit nous habite cet après-midi, alors que nous nous souvenons de lui. Je vous souhaite un bel après-midi. Have a nice afternoon. Voilà.